Chers internet, bonjour, ça dépend de l'heure que vous êtes. Nous nous souvenons ici à Kinshasa, il fait 17h, c'est l'heure qu'on peut dire bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure que nous sommes aussi. Quant à moi, je dis un grand merci, très heureux de vous rencontrer encore ici, à ce nouveau numéro de l'émission Histoire Vraie avec votre présentateur Henri Lumbala. Avant de commencer, je dis un grand merci à mon général Jeff Makayabu Tata Bilanga, moi na busala biaba congolais, et babi kuna nyon seza naturel. Bio na bio n'allez pas plus loin de chercher des formoles, mais so limo dans la santé malam no la ngai. Gardez mon dimanayo, gardez ma kamono nyon sona, ma kamou et aliga bio naturel. Je dis un grand merci à madame Khadija Kadi et sans oublier notre technicien, un grand monteur du pays, Daxel. Alors, j'aimerais qu'ensemble avec mon caméraman Kevin, so go fond la biso plateau. Tu as m'invité à Bissou et à Pokwalelo. Voilà, il est là, c'est notre frère Emile Ilunga. Avec lui, toujours le de la peine est tellement une carrière musicale. Na et bien, ça, la fierté, la mambour à Bissou, aux Alaranabajen talent. Souvent, à venir, il y a lobby, et au banana bateau, pour payer sa Bissou, ma gamboa bien les lots. Aux hommes, la génération, les hommes, la génération à Sika, et Zoya. Alors, j'aimerais que tu parles, non, on aille avant. Tu es Nini, où est-ce que tu es dans le gospel? Bonjour, papa Emile. Oui, bonjour, Henri. Tu as vraiment un son nobel où est-ce que tu es à BioLive TV? Oui, même là. Papa Emile, tu as une recherche dans le show, tu as découvert que non, il y a quand même des grâces sur la Katnao, des grâces sur le coulé Katnao. D'abord, avant de commencer, il y a tant de téléspectateurs qui nous suivent en ce moment à la maison qui se posent des questions. Papa Emile, Azanani, Asala Ranini, la carrière en musique, Azanani, le domaine gospel, qu'est-ce qu'il fait? Si tu peux prendre quelques minutes d'expliquer à tous les téléspectateurs qui nous suivent, Nani Oise Papa Emile. Merci beaucoup, Papa Henri. Je suis un frère Emile Ilunga. Je suis un jeune talent, un artiste, un musicien, un chrétien, un baptisé. En dehors, il y a Wana, il y a un bon Naza guitariste, naza chanteur et puis naza compositeur. Donc il y a Wana. Donc j'espère que vous avez bien compris qu'il est chanteur de l'Éternel, il est chrétien né de nouveau, baptisé. Donc il y a un chrétien, il y a chrétien qui sauté, mais il y a un chrétien baptisé, né de nouveau. Alors Papa Emile, avant de côté vraiment la profondeur, il y a solo, il y a carrière, il y a solo, il y a album Fébima, parce que je sais bien que vous avez un album qui est bientôt là. Nous avons la grâce et côté marché. D'abord, tu as dit que dès le début de ta carrière, tu as commencé ta carrière où nous sommes en train de ta musique et motivateur de la musique. Ah ouais, c'était pas vraiment aussi facile. Très bien. Mon carrière, parcours, je suis en train de parcours donc carrière vraiment pas facile. Je suis un instrumentiste, un guitariste, un bétinement de groupe Bélé. Je suis un frère Chico, que je salue aussi en passant. Frère Jimmy Mouyala. J'ai fait un peu beaucoup de parcours, des frères Fernando. Donc c'est un peu ça. Mais et puis, malembe toujours continué. Et je suis un peu il y a eu comme la voix et puis parce que naza moi na wa zagi na CBA et na bandai wo yemba wana malembe donc et na bandai ko landa baninga na ngaba ndo vindiko na orchestre grâce à Dei et na grâce à Dei kuna nde isika na bandego sepela na yemba so na ke wo yemba bwe ba kadre na ngai ba no lingate président Charlie ya lo ya no linganga na bita ya guitare. Alors, en cadrant, il y a la guitare et puis Lelo n'a pas mis au Nazar. Alors, Lelo, au Komioza Lelo, la rencontre dans la carrière musicale, il y a vraiment un rôle à repère à chaque fois au Talaï, à chaque fois au Monaï, à chaque fois au Kaï, aux autres, elle a vraiment motivé à ressentir la musique. Ah, c'est belé. Ouais, vas-y, belé, mais quand même, généralement, comme moi, quand je suis mon frère Levier Papimbo, moi, je suis très ravi. Quand je suis mon vieux Natilo Collé, je me dis, waouh, même si Bazan a domaine au Bazali, mais moi, je suis motivé et fait à Rotel Arabango et fait à Romain Abango. Mais dans la carrière, dans la musique,
quand tu as accepté de commencer à faire la musique, tu as vraiment qui repère na yo, ton hôtel là yo, le beat, ne font pas comme un roi ou, ne font pas comme un roi ou, ne font pas beat à nous là ou. En tout cas, là, nous allons bosser là nous, alors c'est pas ça là, nous là, mais papa de Ningonde, alors ton nom là Nabango. Je salue aussi notre papa de Ningonde, merci beaucoup. C'est Gazali, et puis na ba pauvre frère Nabiso, autre c'est le petit Nabiso, frère Guillaume Mizoa. Waouh. Et puis donc. Frère Emile Lunga, au bout de ta carrière, tant au bandit carrière, au début de ta carrière plutôt, au banda yango no la chrétien né de nouveau, ou c'est au bandit voyemba après voyamba Jésus. Ah non non. Là nous donc premièrement, sur la histoire na ngai ya carrière. Je suis allé à l'école. Alors, Kuna, Nde, Bipai, Wapi, Najagina, Ndiboso, baptême, après baptême, Nde, to Bandi, Likabo, autre ça. Alors, c'est que au Bandana, on reçoit baptême, après, il reçoit dans le monde de la musique. Voilà, c'était ça. Ça, tu es bien, ceux qui ont reçu baptême, a commis moi dans Zami, a commis vraiment dans la liste, et ben dans Zami. Abotami, donc Abotami, Yassika. Voilà. Mais l'avantage, ni nous trouvons dans Abotami, Yassika, par rapport à temps Abotami, Ginanouté. Ah oui, il changeait ma modèle pour Paris. Parce que au moni d'abord chrétien, on a un Zambé Nyonso. Donc on a un Makamuno Moussousou avant au Nosala. Il y a un moment où on a conseillé qu'il faut avoir un baptême en âme et conscience. Très bien. Et le Rosala. Donc il y a un moment. Parce que c'est un engagement pour toute ta vie. Il y a un petit Kamabé pour ça, il y a un Zambé. Donc tu vois que. Pour le baptême, c'est un engagement sincère que tu prends celle devant Dieu pour celle de l'Anzam. Donc, c'est que au recours le bagelélo pour monter ça la musique au bien, tout comme monter ça l'Anzam est bien. Il faut banana on a baptême. Ah oui, normalement. Il faut banana on a baptême. Baptême, donc enseignement, fermissement et puis assis baptême. Alors à tout le monde qui nous suit en ce moment, tant qu'artiste. Tu peux nous dire quel privilège de rencontrer Dieu tant que jeune. Parce que vous êtes jeune, vous avez une peu musique profane, vous êtes jeune, vous avez un corps pour vous soumettre, vous avez un peu de musique profane. Avantage, nous avons retrouvé dans la carte de musique profane. Ah oui, au moins, le lot est jeune et belé. Au bazar, nous avons une ignorance, on est dans le bas. Très bien. Il y a Moutouya Matassi, au salle de la Nzam, belé qui nous sont. Voilà. Parce que seconde, nous sont. Très bien. Merci beaucoup à toi, mon général Jeff Makayabu, papa Bilanga, moi, je suis un Congolais. Trop fier de toi en Dallas. Donc, si tu as besoin de consommer du logoisan naturel, bio naturel, comme je vous avais annoncé dès le début de cette émission, il ne faut pas hésiter de nous contacter. Hein? Passez plus vite dans Bio Life TV. Donc, au coup, tu as une équipe complète aux Awana. Donc, bien sûr, la tic-tac. Même dans Dallas, même Awa. Donc, si tu as besoin de tout, donc, nous sommes là disponibles pour vous. Alors, papa Mbi, tu mets ton nom à solo. Il y a tant de monde à la condiment. J'espère que. Et dans ces mots, on a des témoignages sur ça. Quand même, Dieu nous fait grâce. Et Robert Abatou dans l'église, on voit comment les gens sont touchés lorsque la chanson est Zobé Takat Nabango. D'abord, par quelle inspiration on a On a plusieurs sortes de foi. Tu as la forme sous le lobby, foi, mais si mi pété, à Betamene Bakou. Tu as la forme sous le lobby, si mi. Mais inspiration est où tu as la forme sous le lobby. Merci beaucoup, Papa Henri. Merci. Tambola na kundima et nous avons inspiré tout le monde.
parce que sans la foi, on ne peut pas être agréable. Très bien. Alors, c'est par là, battre belé, trop de déceptions ou bien de chocs, au moins nous doit perdre l'équilibre. Comme nous, quand ça peut être mieux, vous, à Tikanaïen, Zéla, Wanza, Mézo, Foutate, mais les Angouana, Ezawana, Tamboula, la Kondima, pour y renforcer le sous sous Kondima. Dans le témoignage, je m'en vais à YouTube, il y a un frère qui m'a dit, Zemmo, ce que je bêta, il rappellera la souffrance à Vinae, Nenga Bandeau, Tamboula. Donc malgré ma souffrance, à perdre l'équité, à garder la foi. Donc c'est pour dire que la chanson est en train d'édifier les gens, ah oui, de part et d'autre. Mais nous avons témoin, témoignage en Zemmo. C'est d'abord l'artiste qui a composé. Lorsque vous voulez nous parler de la foi, donc par rapport à Zemmo, tu as été victime. Il y a les camions qui sont passés, la douleur est morte, mais au bout de la route, il n'y a pas de route, il n'y a pas de route. Donc, ça vous est déjà arrivé comme ça, il y a aussi la victime à l'écran, après les lots, tout le temps, on dit. Ah oui, et belé, à maintes reprises. Donc, à chaque fois, et à moi-même, dans ma classe, et comme il a rappé, très bien. Alors, ma vie quotidienne, même dans la Bandaku, alors, grâce à ça, inspiré qu'il n'y a pas que non. Il faut toujours que l'ic en Zambie on a quoi zaler pour faire quoi dans la bonne mort c'est là donc d'ailleurs mon classe quand ça roule bien il n'a pas comme on a la madame Moroboué mais ça on est mal assoyé ah là 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 non j'étais sali mon frère Kevin derrière la caméra donc ça arrive hein mais t'es pas le big noté netinga là non là la madame Agnès que j'ai sali aussi petite petite si madame Andimi n'a rien donc maintenant tu voulais nous dire de placer la foi en quoi te placer qu'on dit manabiso wapi. Parce qu'il y a tant de personnes qui ne savent pas vivre dans l'état moulaté, marambouer si mbaté, mais aoye baté, n'a replacé foi ne l'oronine. Donc on peut placer la foi où et par quel moyen qu'on peut placer la foi. En tout cas, Papa Henri, dans l'unique moutou, où il faut tout ça, on ne dit pas na Zaranzam. Très bien. Zaranzam. Et on même Papa n'a dit sur Abraham. Donc, ça dit qu'on dit manaye, et pas Nzam. Et nous avons Papa n'a dit sur le lot. Alors, il y a un moment qui est là, tout le monde. Très bien, je sais que nous allons suivre la chanson Tamboula la Kondima dans la playback avec le frère Emile. Mais j'aimerais d'abord tout le monde en extrait à Malouba avant tout le monde vraiment. Si nous sommes d'accord avec Kevin, tout le monde vraiment. Il y a un enregistrement dans le studio. Mais tout le monde en Malouba en extrait pour tout comprendre encore l'image de la chanson. Tous les mois, on a extrait un extrait et à Malobabou et après, tu rejoins l'intégralité à la chanson. Ouais, normalement, la chanson Tamboula la Kondima et Zaké Moutignon sonne le gros sala placé Kondima la Wana. Et maintenant, sur le tanga, Likia et le Mona Nzambeke, vous s'il s'appelle bah. Bétide Nayo sans problème, donc ils ont un peu bon. Mais donc, on va faire un extrait. Tambola na kondima na elikia yoko koma belela kombo na Yesu na elikia yoko longa tambola kana kondima na elikia yoko koma belela kombo na Yesu na elikia yoko longa. Bato nyonso batambolaki na Yesu oyo basuka balongi Israel atambolaki na Nzambe oyo solo suka suka bima na bongo moninga kobungisa solo kondima te kangama na Yesu kino suka moninga o à la foi est une ferme assurance une démonstration de choses qu'on ne voit pas mais qu'on espère. Le na kondima e okobuka solo bikamwa na nzambe tambola na kondima na elikia yokokoma
Belela Kombo na Yesu. Voilà, très bien, une très belle chanson composée par les frères Émile. Je pense que vous tous allez édifier. Tambola la Bondima, Yorolonga, Tambola la Bondima. Moi, je voulais encore compléter une chose. Même sur Salara Bilanga, même sur Salara Nekola, j'ai salué mon frère, le secrétaire Diego. Même sur Salara Wapi, quelles que soient les difficultés, mais place ta foi en Jésus-Christ et il y aura un jour où Dieu va encore te faire élever comme tout le monde. Alors, Papa Émile. Par rapport à Nzem Moyo, vous avez déjà un groupe, soit vous avez une carrière solo, vous évoluez comment? Ah non, non, déjà, Dieu nous a fait grâce, vous avez un groupe, nous Kamba, groupe Acacia Music. Acacia Music. Voilà, vous avez déjà. Vous avez déjà pasteur, ton berger? Ah non, non. Parce que souvent, les commis, ce que nous avons bêtement dit, mon corps a commis pasteur, ton berger. Et toi, tu gardes l'identité des frères? Non, nous avons un frère, Émile. Ben, j'espère que ce que vous avez concert à grand hôtel, à pour que vous au moins, tu as limité les ambitions, mais en tout cas, ça a pour le moment, donc on est là. Ce que je peux vous féliciter en ce moment, on dit que nous aujourd'hui, il y a tant de gens, rien que pour nous intimider, par exemple, ils nous parlent de leur vie, de leurs conditions de vivre, mais ils ne peuvent pas quand même condiment. Papa Mille, retourner un peu au débit, tu prends l'adoration à quelle position dans ta vie? Aujourd'hui, l'adoration, la position nimi dans la carrière musicale. Ah, en tout cas, l'adoration, ils ont à chaque temps, chaque moment, la vie n'a rien. Donc, pour ceux qui ont mis Kabou, ils ont un. Très bien. En tout cas, donc, l'adoration est placée dans la première position. Même si je me lève, il y a ceux qui sont dans la saison, il y a des. Donc, même moi aussi, je l'ai fait. Il y a même temps où tout ça dans Acacia, donc donc l'adoration, c'est notre mode de vie. Donc dès que tu te réveilles, tu dois adorer Jésus. Dès que tu te réveilles, tu dois louer ton Dieu. Mais on a un problème sérieux aujourd'hui. On a un sentiment charnel. Alors on voulait savoir une chose tant qu'un adorateur. Adorer Dieu, c'est de lui donner des paroles que lui-même Dieu nous a données, ou soit c'est de ramasser des paroles par-ci par-là, données à Dieu. Donc, par là, Papa Émile, tant qu'un adorateur, moi je connais votre dimension de l'adorer, de l'adoration plutôt. Qu'est-ce que vous pouvez encore souligner par là? Donc, par là, même pour tous les téléspectateurs qui nous suivent, donc, ce qu'on peut retenir aujourd'hui, la musique, c'est un métier pour changer la volée. Changer la volée parce que nous avons commencé à faire commerce dans le salaire. Il y a même puissance, il y a David, il y a un bélan dans un zambé, les lois à l'issue, il y a un sali qui est non. Tellement de tortiers produits, carrière, il y a un côté qui est non, le roi a un bélan à l'issue. Alors, il y a un de ça là-bas. Voilà, nous enchaînons petit à petit vers la fin de cette émission. Alors, on ne peut jamais se séparer comme ça avec les frères. Tout le monde est là. Nous sommes en position. Ils sont déjà dans le marché. Ou soit, ils sont dans le studio. Ils sont aussi en train de jouer. Pour avoir sens dans le marché des disques. Voilà. À ce qui concerne la chanson Tamboula na Kondima, c'est un single. Très bien. Alors, déjà. Déjà, ils sont disponibles. Tout ça, un peu, dans moi, la difficulté à Miké, et ça, la Kenote, tout ça, c'est un peu comme la Mingité. Donc, on enseigne là, voilà. Ceux qui battent un mythe, Bazali, il ne faut pas hésiter. Vous avez vu la vie live, on a séparé la rame. Tout le monde est malam. Donc, moi, je vais vous dire que vous avez 100 kourous. Ce sera l'émission où vous avez hésité à rater vos bains. Kenya. Donc, je vous invite tous de nous appeler. Nous sommes là avec nos jeunes talents. Bazali, vous avez la fierté de la musique congolaise. Vous avez la fierté de la talent où vous avez mis. Quant à moi, je dis vraiment. N'hésitez pas à soutenir mon frère. Alors,
vous allez suivre à l'intégralité la chanson Tambola na Kondima. Donc ça, je vous promets déjà. Dans notre chaîne BioLife TV Bourolandanze, Mutambola na Kondima. Et puis la promotion sera à 100%. Donc si tu as besoin de frère Emile pour des prestations, concerts, mariages, donc plusieurs activités, contactez Bissot, nous sommes là. Et nous allons directement inviter les frères en question. Il va vous servir comme il faut. Frère Emile, comme la souka, quelques mots, salutations, au conclure la nini, numéro de téléphone, na bateau balandio. Merci beaucoup. Merci. Bah remercier mes zangate, bosson na nzambo apesi biso souffle de vie. Très bien. Numéro et à téléphone, c'est 089 360 677. 089 360 677. Et toute l'église Jésus Mirail de Fée, et puis ma famille entière. Donc, c'est un peu ça. Je salue papa, Bernard Mouyunga et maman Sidonie. Très bien. C'est un peu ça. Voilà, merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Quant à moi, je dis un grand merci à mon caméraman Kevin qui a fait un bon travail aujourd'hui. À celle vraiment travail à qualité, à image et à bien, Bozolanda. Je dis un grand merci à mon frère Daxel. Dans le montage, et sans oublier Madame Khadija, ma consoeur, Madame Khadija, je te salue beaucoup. Mon général Jeff Makayabou depuis Dallas, moi, je suis un Yaba Congolais, Tata Bilanga, n'hésitez pas, si vous consommez le bloc bio naturel, nous sommes là. C'était là l'émission Histoire Vraie avec votre humble frère, le présentateur Henri Lumbala. Bonne suite des programmes sur BioLife TV, nous sommes là. Appelez-nous, écrivez-nous. Nous allons vous répondre. Ciao.